Ou remè Bouboul, ou remè tant de belles analyses, eh bien, abonnez avec Chanel Bladi Infosport. Ça qui belle dans Chanel YouTube Bladi Infosport, gagnez commentaires, analyse avant match, décortiquez match football pour pas de l'autre côté que Bladi Infosport. C'est cette vidéo qui me lit pire, qui dit ou ça. Abonnez avec Chanel YouTube Bladi Infosport. Partagez vidéo nous pour plus de monde capable de toucher par Chanel YouTube Bladi Infosport. Dans la vidéo, ça, nous allons partager ensemble avec vous réaction Cristiano Ronaldo dans le cadre et classement meilleur joueur sous année civile 2023. Cristiano Ronaldo qui part dans l'Islam fanatique, dans le top 10. Eh bien, nous allons voir avec un commentaire comment Cristiano Ronaldo, monsieur lui-même, lui réagit. Eh bien, Jean sa fête toujours chaque année, International Fédération et de Football Histoire Statistique, toujours a publié classement meilleur joueur sous année civile. Et pour année 2023, eh bien, Instituant l'y placé dans le top 10 là. Et Erling Haaland qui a évolué dans l'équipe Manchester City en première position. Kylian Mbappé qui a évolué dans l'équipe Paris Saint-Germain en deuxième position. Lionel Messi qui a évolué dans l'équipe Inter Miami en troisième position fanatique. Et nous venons Rodri qui en quatrième position. Jude Bellingham qui a évolué dans l'équipe Real Madrid là, qui en cinquième position. Nous jouons Kevin De Bruyne qui a évolué dans l'équipe Manchester City qui en sixième position. Dans septième place là, nous jouons Harry Kane qui a évolué dans l'équipe Bayern Munich là. En huitième position, nous jouons Bernardo Silva qui a évolué dans l'équipe Manchester City. En neuvième position, nous jouons Vinicius Junior qui a évolué dans l'équipe Real Madrid là. Et en dixième position, pour faire top 10 là, international argentin, Lautaro Martinez qui sont argentins qui a évolué en équipe Inter de Milan. Eh bien oui, c'est classement top 10 meilleur joueur sous année civile 2023. Eh bien, Cristiano Ronaldo, monsieur pas fin d'accord parce que non li pas là. Ronaldo qui marqué pratiquement 53 goals sous année civile là. Oui, Ronaldo, monsieur lui-même li fait en pile causé sous l'équipe Al Nassr dans le pays Arabie Saoudite, 53 goals, toute compétition est confondue. Et bien là, Ronaldo qui pourrait réagir, monsieur pourrait montrer mécontentement li avec pratiquement une ironie. Eh bien, sur une publication journal Abola qui présente le classement, eh bien, Cristiano Ronaldo, monsieur qui a remporté 5 ballons d'or, actuellement qui en Arabie Saoudite qui a évolué dans l'équipe Al Nassr là, eh bien Ronaldo, monsieur commenté avec plusieurs emojis côté que l'a pris. Ça montre vraiment mécontentement Cristiano Ronaldo qui pas capable de digérer absence li dans le top 10 ça. C'est comme ça Ronaldo lui-même li te réagi. FC Barcelone voulait recruter un milieu de terrain. Et bien, d'après information et journal Sport, il a rapporté que direction équipe FC Barcelone a activé une nouvelle épice pour un mi-temps terrain lié. Cette fois-ci, c'est en Angleterre, dans la Premier League. Et bien, selon les médias espagnols, FC Barcelone est vraiment intéressé avec Douglas Luiz qui a évolué en équipe Aston Villa sous l'ordre Unai Emery. Milieu de terrain brésilien qui vraiment a vu un très bon niveau avec Aston Villa dans la Premier League. Monsieur gagne 25 ans et Barcelone intéressé avec lui fanatique. Monsieur qui montrait vraiment importance lui dans le travail et vraiment et Unai Emery a fait une équipe Aston Villa. Eh bien, directeur sportif FC Barcelone qui se déco, monsieur lui-même t'a même renié en Angleterre pour regarder match Aston Villa, une façon pour capable superviser international brésilien. Mais pour Barcelone gain service et Douglas Luiz, faut qu'il mette main dans poche li. Et nous connaissons Barcelone vraiment dans gros difficultés financières.
a appelé que Douglas Suisse lit sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'équipe Aston Villa, eh bien, et transfert évalué à 60 millions d'euros. Pendant ce temps, quotidien catalan lui précise que FC Barcelone t'a doué très certainement fait face avec une faute et concurrence dans le dossier Douglas Luiz. Parce que gain en Angleterre Arsenal qui était déjà tenté chance li été dernier et capable retourner ce dossier ça pendant mercato hivernal bien que Aston Villa capable et pas bail monsieur et pour mercato hivernal. Et bien faut nous dire que Mikel Arteta qui vraiment apprécie international brésilien qui considéré comme une meilleur milieu de terrain qui a évolué dans Premier League actuellement fanatique football. Et bien, grâce avec rendement Douglas Luizio, il est capable de monter prix transfert, monsieur. Selon Journal Sport, il a ajouté que Monchi, qui est directeur général football professionnel équipe Aston Villa, capable même demander 100 millions d'euros pour vraiment Douglas Luiz. Douglas Luiz déjà marqué 6 goals et 5 passes décisives pour 27 matchs, toute compétition confondue pour début de saison avec l'équipe Aston Villa. Eh bien, ancien joueur Manchester City et équipe Girona, laissé un grand artisan, eh bien, équipe Aston Villa en 3e place, liant dans la première ligue. Monsieur lui-même, lui très polyvalent, monsieur très à l'aise, surtout dans la transmission, avec 80% de réussite. Monsieur très intelligent tactiquement et lui présent dans le jeu avec en moyenne de 6 ballons récupérés par match en moyenne. Voilà, et Douglas Luiz qui intéressait équipe FC Barcelone. Bonne nouvelle pour équipe Real Madrid avec Ada Gouler. Real Madrid, c'est bonne nouvelle simplement. Après prolongation de contrat de Carlo Ancelotti dans le club et capitale espagnol, et bien là, il y a une autre très bonne nouvelle. C'est surtout avec cause et blessure qu'on connaît Real Madrid qui est victime en pile pour début de saison avec plusieurs joueurs qui sont blessés. Et bien, recrue été dernier qui c'est Ada Gouler, cyclone, qui passe suspendu blessé à chaque fois qu'il annonce retour à Ada Gouler, et bien monsieur lui-même lui a rechuté. Et bien attendez bien fanatique football, fanatique Real Madrid et tout le monde qui envie Ada Gouler sur terrain. D'après information journal Marca, pour 2024 là, et bien Ada Gouler monsieur lui-même espérait enfin fait début avec l'équipe Real Madrid là et surtout c'est pas pour début année 2024 là. Monsieur lui-même est pratiquement dans le 4e stage d'entraînement li depuis lequel il était arrivé aux États-Unis pour être capable d'entraîner avec Real Madrid. Laissa il d'avoir rejoindre nouveau club li pendant que Real Madrid t'a fait préparation pour entrer dans la saison 2023-2024. Faut nous dit dernière semaine ça Carlo Ancelotti t'a annoncé que eh bien Ada Gouler lui-même est pratiquement li pour capable faire retour li monsieur lui-même qui commence travail à haute intensité pour capable opérationnel en janvier. Et puis une très bonne nouvelle pour équipe Real et Madrid là puisque bon côté équipe Journal Aslan li rapporté aussi que Vinicius Junior lui-même li visé un retour pour la demi-finale Supercoupe d'Espagne qui a fait le 10 janvier prochain face à l'équipe Atlético. Pour rappel, Vinicius Junior qui était blessé depuis la dernière trêve internationale avec la sélection brésilienne de football, c'est comme ça Journal As lui-même li annoncé nouvelle. Pas oublier si ou à peine rejoignez nous sur channel là, abonnez avec nous, activez la cloche notification, c'est la meilleure façon capable et supporter nous. Pas oublier quitter un like dans la vidéo ça et un commentaire et ça qui est important toujours c'est aider nous partager vidéo ça, une façon pour plus monde capable découvrir channel.